Je m'ennuie beaucoup. Bonjour, madame, je m'ennuie. Enchantée de vous rencontrer. Moi, j'ai une faim de loup. Bonjour, madame, j'ai faim. Je vous présente madame, je m'ennuie. Non, pas facile de vous faire rire. Moi, j'ai vraiment envie de manger. Oh oui, c'est l'heure de prendre un encart. Oui. Mais j'ai oublié d'apporter de la nourriture. Oh non. Vous savez quoi, les filles? Je crois que nous allons rentrer. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Allez, tu sors, bingo. Papa, j'ai trop froid. Eh bien, prends ta serviette, ma puce. Je ne l'ai pas emportée avec moi. Alors secoue-toi. Mais j'ai pas encore appris à faire ça. Arrête, bingo. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Moi, je reste dans la piscine. Je bouge plus. C'est trop dur. Je n'arrive pas à me sécher toute seule. Aide-moi à faire sortir ta sœur de l'eau. Je refuse. Je vais jamais sortir de cette... Réunion de famille. Gros poisson, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi Margaret est aussi exigeante. C'est une espèce de vieux melon complètement stupide. Oui. Je veux que Karen revienne. J'ai une idée. Si on refusait tout simplement de faire ce qu'elle demande. Oui, si on reste solidaire, qu'est-ce qu'elle pourra bien faire? Tu en penses quoi, Mary Findor? Mary Findor? Ensuite, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les exercices que vous demandez et qu'ils voulaient que Karen revienne. Rien oui. Fait de rapporter, ma petite chérie. Hein? Ça, c'est pour avoir été insolent. Mary Findor, tu as rapporté ce qu'on a dit? Oui, c'est autorisé. Bien sûr que oui. Tu viens de passer gros poisson. Quoi? Oh, je vois. Eh bien, elle vous a traité de vieux melon complètement stupide. Comment ça? Tu as raté toi aussi. Approche un peu. C'est toi qui as réussi gros poisson dans ce cas. Mais Sharon a triché au Marco Polo. Quoi? C'est pas vrai. Non. Du pain. Et je vais mettre ces deux tranches dans le gris pain. Tranche de pain numéro 1 et tranche de pain numéro 2. Clic-clac. Maintenant, je vais parcourir mon journal en attendant que mes toasts soient parfaitement... Quoi? Les toasts sont prêts. Ça n'a pas été très long. Oh. Ce toast n'est pas grillé. Encore le gris pain. Non, 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 il faut vraiment que j'y aille. Tu dois boire. Boire. Oh, j'arrive pas à réfléchir. Du jus de fruits. Oui, du jus de fruits. 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 Eh bien, c'est vrai que j'ai envie d'un jus de fruits. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce frigo pour faire un jus de fruits? Psst, tu es quoi? Un ananas. Non, des myrtilles. Non. Des murs. C'est noté. Et toi, tu es quoi? Je t'en donne deux, au cas où tu voudrais commander beaucoup de choses. Je m'appelle pas Bingo. Je m'appelle... la fille au robinet. Tu peux me prêter ça? C'est pour noter la commande de la fille au robinet. Alors, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais voir où en sont mes rouleaux de printemps. Je vais prendre le plat super épicé, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Je vous apporte ça tout de suite. Berk, ce plat est mouillé. Et hop! Oh! Fille au robinet, je suis pas sûre que tu puisses le manger pour de vrai. Mais j'ai trop faim, moi. Oui, ça pique trop. Oh, ils ne sont pas encore prêts. Hé, mes petits plats. Beaucoup trop fort pour moi. Ok, ok, allez, viens, ma puce. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, mais maintenant j'ai envie de faire pipi. Je vais pas tenir. Oh, mince, bon, d'accord. Coucou, je suis un morse. Excusez-moi, Bluey, tu arrêtes ça immédiatement. Je suis une petite sirène avec deux jambes. Oh, c'est un vieux château. Je me demande qui vivait là. C'est peut-être ici que vivent les autres sirènes. Bonjour. Tu voudrais bien te pousser? Il faut que je montre ce coquillage à ma maman. Je devrais peut-être revenir sur mes pas. Oui, je commence à en avoir assez de me promener toute seule. Oh, papa n'est plus qu'une tache bleue au loin. Je peux pas repartir en arrière. Je peux pas avancer non plus. Alors je vais aller où? Les traces de pas de maman. Nous,
Nous aussi, on veut de la sauce salade. Ah, d'accord. Qu'est-ce que t'as fait alors? Est-ce que je peux t'emprunter ça, papa? Boue, plus de boue. Oh, on n'a plus de boue. Oh, je vais en préparer plus. Ah, papa, dans quelle sauce on ouvre le robinet du tuyau d'arrosage? Papa! Oui, Bingo! J'ai réussi à l'ouvrir! Voilà, maintenant je vais remplir ma bouteille. Je vais poser le tuyau par terre et... Bingo, qu'est-ce que tu fabriques en bas? Bingo, attrape le tuyau! Oui, je voudrais bien. Ça me chatouillait derrière. Oublie le tuyau! Ferme le robinet! Tu as les lèvres toutes bleues! Elles sont de la même couleur que moi. Bluey, écoute, j'essaie de vous faire sortir du bain en le faisant gentiment. Mais il faut que tu m'aides. Mais on n'a pas fini! On a encore tous ces bons burgers à te vendre. Oh, d'accord, je vous les achète tous. C'était exquis. Voilà, vous avez vendu tous vos burgers. Waouh! Bon, vous sortez de l'eau? Oui. Ah, génial. Quand tu auras payé. Hein? Voyons voir, une centaine de burgers. Boop. Ça nous fait 100 dollars, s'il vous plaît. Mais il ne me reste plus d'argent. Alors, comment vous allez faire pour payer tous ces burgers que vous venez de manger? Me voilà dans le bain, en train de faire la vaisselle. Tenez, encore des assiettes sales pour vous. Merci, patronne. Vous êtes encore dans le bain? J'essaie de leur apprendre à prendre des responsabilités. Ses lèvres sont toutes bleues. Elles sont de la même couleur qu'elles. Cette fois, j'enlève le bouchon. Ah, non! Maman, c'est notre restaurant de burgers. Il est déjà 19h, vous devriez être sortie du bain. Et toi, tu ne devrais même pas y être.